Yo tout le monde, c'est Tiabush, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'Europe de Total War dans lequel nous incarnons la Confédération d'Asiotras. Voyons voir. On va repiller un petit coup au Brindium. Je pense que c'est... C'est pas mal. 4600, oui c'est vraiment pas mal du tout même. En plus mon général gagne un niveau. Vraiment pas mal du tout. Culture. Il faudra ça. Bon, ce sera plus tard. Ok. Il est cher. On est où? Ah oui, là, ici, en plein milieu. Faire ça. Ah bah, décidément. Ah bah, dis. Allez. Ah oui, et j'avais prévu... Il me semble d'aller conquérir un peu... Est-ce qu'ils vont me le reprendre un tour? Je sais pas. Mais là il fait froid, j'ai de la perte due au froid. Dida? C'est pas up toi? On va faire ça. Bonus. Lors d'attaque, sachant que c'est une... sont des troupes de pillage. Insurbe. Oh. You fall in my trap. Tu es tombé dans mon piège. Je sais pas si c'est ça. Hein. You fall in my trap. Oh bah tiens. Je l'avais vu venir Sparte, je l'avais dit il y a quelques tours dans l'épisode précédent il me semble. Après je risque pas grand chose de là en soi. Je réfléchis, Renu c'est mon roi. Ok, je vais faire ça. La fureur. Je vais commencer par recruter ça. Et ça. Pour un premier tour, c'est pas dégueu. Il n'en a pas fini avec Rome. Oh. Et Rome, il gagne des territoires de fou par là. Oh la vache. Avec galère. En même temps, c'est à cause de les Italiens. Et la Carthage est faible. Ouais, bon, en plein dans les... Dans les terres froides, j'ai pas trop envie. Je vais retourner là, ça me permet d'avoir de la reconstitution. Faire un piège. Là, il va peut-être se dire, il ferait bien d'aller défendre le pouvoir d'homme, non? Je dis ça comme ça après.
partie m'embête là. Rome, ils veulent, non, ils veulent jamais la paix. Tant qu'ils sont pas anéantis, ils veulent pas la paix. J'ai absolument besoin du bois sur Rougon. Oh. Sinon, il va m'attirer manquer plus que ça. Ça, j'avoue, je l'ai pas vu venir. Ah, ça, je dois l'avouer, je l'ai pas du tout vu venir. Ouais. Ça, c'est bien les vénettes là qui. Là, j'ai un petit souci, c'est que. S'ils font le siège, j'ai pas les trucs nécessaires pour sortir. Donc je vais ramener ma deuxième unité, sachant que là, les Vénètes, ils vont s'en charger, c'est très bien. Les dissoudre. Et là, je pourrais prendre Brindisium, le souci étant, c'est Caspar qui est là. Et qui pourrait aller me reprendre le territoire, et là, ça l'arrange pas. Je suis vraiment un peu bloqué là. Dans une impasse, il faut que je recrute plus de troupes. Pour pouvoir tenir des positions. Et, ah bah super. Je sais pas ce qu'ils ont tous d'un coup là sur ma tronche, mais. Ils veulent ma peau. C'est bien dommage. Et c'est même fort dommage. Faire un recrutement de dignitaires. On va faire des dignitaires. Et là, je vais aller me placer là-bas. Je sais pas vraiment le choix. Là, il me sert à rien. En vrai, mon espion, il me sert absolument à rien. Ils sont bien loin de mourir de faim. Là, il n'a pas pu passer. Armée de renfort, c'est pas bon pour moi ça. Ils sont beaucoup, ça m'arrange. Donc, améliorer, je vais essayer d'aller chercher Rougon. Ils sont beaucoup ou pas? Non. Donc, je vais aller en. Déplacement accéléré. Une fois que j'aurai Rougon, j'aurai de quoi débloquer des très bonnes unités. Là, je peux défendre ces Gestica. On va voir s'ils veulent prendre Noréa. La vol d'esclave. Dis-moi que ça va pas aller sur la tronche. Ah putain, je sais où. Ah, c'est en Germanie, la cité jeune qui était à tous les coups. C'est bon là. Arrêtez là. Super. Et là, tous les coups, bah ouais, c'est là. Se raser.
J'en ai que besoin pour le bois en vrai. Hein. Une unité de plus pour défendre. Pas terrible, mais c'est mieux que rien. Mal, hein. C'est une de ses meilleures troupes. C'était ses meilleures troupes, je veux dire. Ça lui a pas fait du bien. C'est impeccable. Ah oui. Alors ici. Cas où on aura quelques unités à se, pour se défendre contre les esclaves. Avec lesquels se défendre, ouais, avec lesquels se défendre plutôt. On va pas les améliorer non plus, faut pas déconner. Ok. Je pourrais recruter ma dernière unité. Là, c'est quoi ça? Au nacre? Oui. Je peux pas la quitter de suite. Pas cette garnison, il y a ça. Zéro tour avant la reddition. Pas mal. Bon là, c'est pas bon. Si, c'est bon, ça passe. Hein? Ça m'aura remboursé. Non, même pas. Non, même pas rembourser mes dépenses de mercenaires. C'est pas de peau. Bon, après j'aurai un ennemi en moins. J'ai un espion dans le coin, c'est ça? Ah, mais il meurt de faim? Putain, mais ils sont... Et qui vient de déclarer la guerre, il meurt de faim quoi. Enfin, c'est. Oh, réfléchissez un peu. Hein. Au monde vieillé. Y a quoi dans le cerveau hein? Tu as des nouilles? Je vais pas accepter. Hein. Je peux te dire que je vais te piquer quelques territoires. Hein. Oh, c'est bon! Allez, lâchez-moi la grappe! Wow! Terrible ça. Hein. Bon, deux choix, soit ils vont sur Noraya, soit ils vont sur Segestica. Bon, ils ont réglé leur problème de bouffe. Merde. Après. Il n'y a personne là. Hein. Je vais pas me faire prier, clairement. Voilà. C'est bien compliqué. Hein. Massilia, il pourrait très bien se joindre à la fête. Je suis
pas fan de genre de fête, les helvètes. Qu'est-ce que j'ai fait là? Oh merde. Embarcadère. Là, il y a les chirusques. On va faire un petit peu joujou. Ouais, je vais faire ça. Compliqué. Oh non. Pardon, en ordre public, on est bon. Putain, manquerait plus que ça se passe mal par là et... Alors là... Il se met là, ça veut dire que j'ai pas la portée. Je peux pas t'aider, désolé l'ami. Je peux pas du tout t'aider. Oh là, je peux l'aider. Bien joué les venettes. C'est ça, montrez-leur. Bien. Montrez-leur à quel point leur profession aux Spartiates elle est pourrie là. Aou aou. Ah belle imminente. Et merde encore. Ah. Oula. Attends. Faire ça. Ça restera plus facile à défendre. Là. Il s'est aventuré loin, ce qui fait que hop, tout ça là, ça va être gratuit pour moi. Joraz, merci beaucoup. Tac, tac, tac et tac. Donc là, tu crois que je peux pas gagner contre toi. Ok. Oh putain. Ah bah d'accord, j'ai compris. Pas attaquer de partout. Là, avec la tri. Ils sont 20 en plus. Hein. Ah, c'est tout ce que je peux recruter. Oups. Ah, je pensais que ça irait mieux. Ah, je pensais que je pouvais recruter un peu mieux. Tiens, toi, je sais que t'as toujours rêvé de... Mener tes batailles et tout, t'as vu, je suis commerçant sans toi, et tout, tout, t'as vu. Bref. Hop. Je vais totalement prendre la vie sur ce coup-ci. Je devrais pouvoir le garder. J'ai quand même des très bonnes unités, faut pas déconner. Facile, pas facile du tout. La partie de la poisse, ça se passe pas comme on veut du tout, du tout, du tout. Mon espion il met 20 ans en plus à arriver là où il doit aller. Ouais.
Ouais, ils viennent quand même. J'ai quand même des unités rang 8, faut pas déconner. Tu vas me dire que là, des hoplites périècles, ça gagne contre moi, là? Ils n'ont pas de cavalerie. Hein. J'aimerais bien savoir d'où viennent les renforts parce que je sais que certains de leurs renforts en ont eux de la cavalerie. Donc, j'ai peut-être une idée en foot. On va. Et merci. Une barricade là. Tout ça là, on peut ralentir au cas où ils viennent là. Allô, merci. Oui. Pas trop être embêté par là. C'est lourd. Ah, c'est pas mes meilleures unités, ça. Je vais foutre deux unités là. Deux unités là. Mettre ma cavalerie là et eux je vais leur demander gentiment de faire le tour. Ça va dépendre des renforts ennemis. Ah putain, ah non, bah oui, c'est vrai, en plus leurs renforts ils ont des de la cavalerie. Je vais garder deux de mes unités ici, on sait jamais, ils arrivent par derrière. Ils sont là, ils ont deux unités de cavalerie, donc deux choses, c'est que là je vais aller déplacer ici doucement, que là je vais dire à un d'aller là et je vais dire à l'autre d'aller là-bas. Je pense que ça devrait le faire. Mon général, je vais lui demander d'aller là. C'était impératif de traverser les unités. Pourquoi je demande ça? Donc quoi? Ouais. Hoplite, périècle. C'est le petit périècle. Hein. L'ancien lourd. J'ai de la frénésie en plus. Ah merde, cavalerie tarentine. J'ai aucune unité à distance. On va bien rester planqué. Et là, les gars. D'aller là, de bloquer le passage. Ça va passer. Ils vont peut-être réussir à passer. Oui, hélas. Oh, oh, quoique. Par contre, courriez-vous d'avancer, je veux pas savoir.
Ouais, tactique face à la cavalerie. Ouah, ça marche bien. Là, je vais prendre les 4 premiers là. Je vais leur demander d'avancer. Pendant que les autres, je vais juste leur demander de bloquer le passage des renforts. Tu es un sacrifié, Harry, je sais. Ouais. Il faut que je le place avant. Voilà. Et que là, bon, bah... Aussi badass qu'il toi, ils n'ont pas forcément trop aimé. Il faudrait que j'en finisse, par contre, avant l'arrivée des renforts ennemis. Allez, on met tout sur celui-là qui a des signes de faiblesse. Là, on bloque. Replacez-vous bien droit face à lui avec vos murs de bouclier là. Oh, je suis con, j'ai de la cavalerie. Ah oui mais merde, mais j'ai des chevaux de frise. On va les attirer là. Ok, là ça me va. Oh, plus de périac là, ils prennent cher. Donc là avec eux ils ont deux choix. Ouais. Ils vont vouloir aider. C'est le mauvais choix. On dira, ils avaient des mauvais choix. Alors, c'est mon mur de bouclier. Là, vous vous mettez bien large. Toute la largeur, s'il vous plaît, merci. Et là, vous attaquez par l'arrière. Et là, les piquets, ils vont pas être bien. Allez, second souffle. Je peux la porter là? Oh, allez, là. Allez, une bonne charge là, s'il vous plaît. Pourquoi je charge en plein dans un trou là? Ah, c'est pas si mal hein. Par contre, c'est bon, au bout d'un moment là, faut se retourner. Le problème d'être unité de lancier, c'est que ça fait pas beaucoup de dégâts. Ok. Je vois les gars, on va faire sortir mon général de la mêlée. C'est pour tomber, mon gars. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Heureusement, ils sont pas nombreux. Ah, ils ont dû fuir et revenir. Nous avons soif de sang et de bataille. Allez.
Alors, il vient sur nous, bah là on va l'attendre de cette manière. Alors, lequel tu choisis? Le mec de Wrong Choice. Eh oui, le vrai choix qu'il fallait faire, c'était m'attendre ici. On va aider un peu parce que là, ça galère. Là, j'ai. Ah, mais j'ai encore une unité ici. Ok, super. Ensuite, Royaux. Ils ont du piqué, merde. Absolument, je vais m'en débarrasser. Allez les gars, forcez le passage, et si jamais il se retourne sur vous, en fait pas, il y a deux armées sur, sur lui. Ça, une charge frénétique là, c'est dégueulasse. Charge. Là, ils sont toujours pas tombés. Trois également. Là, bah. Comme des mouches, on appelle les renforts. Ils tiennent bien quand même, hein, saloperie. J'ai pas mes meilleures unités. Là, je combat contre la meilleure unité de Sparte. On pourra faire de la frénésie ici. Là, je prends cher à cause de ces piquets à lui. Ça là, ces piquets vont prendre très cher. Oh, que oui, ils prennent cher. Là. Ça va pas tarder non plus. Ici. C'est ça, mon soupe. Allez, les gars, montrez-moi de quoi vous êtes capable. Vous attaquez des piquets par l'arrière, on va essayer de s'y mettre là. Regardez, il lui regarde pas là, allez un petit coup de lance là. Ah, bah, il s'est retourné depuis là ce moment-là. Elle est là. Voilà. On les laisse pas partir facilement, sinon ils vont se regrouper un peu plus loin. Et nous attaquer par l'arrière, ça on n'aime pas. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai pas fait. Ça. Là. Impeccable. Là, hop là. Allez, on resserre tout ça. Un deuxième Spartiate Royal. Royal. Non, une deuxième unité de Spartiate Royal. Hop, et je pense qu'on peut accélérer. Allez, on resserre bien là, en mode frénésie en plus, avec les petits bonus qui vont avec. On a des petits malus de fatigue. Pas que de fatigue, ok.
Voilà. Bon, bien évidemment, on poursuit, on va laisser un minimum de survivants. Voilà. T'en as mis du temps à traverser, hein. Voilà. Bon, Sparte. T'as perdu 95% de ta troupe là, tes troupes. Un tout petit peu moins de 95%. Et mine de rien, ils ont fait le café. Hein. Bon, ils sont bien entraînés, mais. Hop. Tout cas, merci d'être passé, ce fut un agréable moment. Bon là, ça fut moins agréable, moins agréable plutôt. Je pensais pas avoir si peu de... pouvoir avoir recours à si peu de mercenaires ici. Hein. Je suis quand même en Italia. Qui habituellement est blindé de mercenaires. Alors, je te propose une contre-offre. Je te propose ça. Bikini. Bon là, normalement, ils auront pas de quoi prendre, hein, quand même, ni l'un ni l'autre. J'espère. Ah, j'ai une grosse perte en plus ici. J'ai une grosse perte, je peux pas reprendre Valatry tout de suite. Ah, terrible. Chaque chose en son temps. Merde, j'ai gagné un rang en Imperium, ça va me baisser mes revenus, tout ça. Pas ouf. Paf, paf. Vous voulez bien. Un général de rang 8. Eh bien. Qui est badass, hein? Bon, ici, deux choix s'offrent à moi. Est-ce que je pense que Rome pourra se défendre? Je pense que oui. Je vais aller défendre moi-même Ariminium. Je vais quand même y mettre quelqu'un au cas où. Cavalerie, c'est très bien. Ça coûte 350 par tour, hein, pour deux mercenaires. Je lui prends Epidamnos. Je vais voir si je peux lui proposer un petit traité de paix ou un équivalent. Ok, là, ça cramait. Les Suèves. Non, les Suèves sont tombés. Les Chérusques. Ils sont tout seuls là. Ça le fait pas du tout sur l'ordre public, putain. Que je peux leur proposer un petit peu de commerce, oui.
voir si je peux exiger un paiement. Ah, il va pas vouloir lui. Là, on peut toujours espérer, mais bon. C'est mal parti. Bon. J'ai pu me faire un peu d'argent, monter mes revenus. 5000. Ah oui. La vache. Dans ce prix-là. Ce prix-là, je le fais à des endroits où je suis sûr que je vais pas me faire prendre mes villes. Hein. Je suis prête. 1000! Ah merde, l'amélioration pour deux unités, 1000! Ah ouais, non, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi élevé, hein. Néapolis. Ça tombe ça? Ah putain, il y a des... y a de la flotte. J'avais pas vu, mais il l'a mis, il a envoyé de la flotte. Dis, attends, avec une petite troupe comme ça, là. On prend toujours de l'or. On va attendre que Ariminium. Mes troupes aillent un peu mieux. Il a fait quelque chose, il y a un agent là-bas. Traité de paix de la part des Gaéliques. Je vais exiger un paiement. C'est toujours ça de prix. Nous on va aller chercher, on va pas hésiter. Je peux finir mon vin. La nuit sera longue. 10 août, ça me coûte beaucoup trop cher cette, cette unité. Trois tours avant. Et... on a pas gogo ici. Et ce que je voulais voir, c'est est-il prêt à accepter une offre de paix? Ok. Là, je suis tranquille quelques tours. Classique, 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 la vache. Il a des troupes en mer, lui. Je peux finir mon vin. Allez, bon, j'arrive en terminer, en finir avec eux, là. Bon, lui. Changement de plan encore une fois. Je vais aller là-bas.
Alors, on va finir l'épisode là-dessus pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. C'est compliqué. Toujours compliqué avec les jets. Mais là, on va arriver à un point où on va avoir les meilleures unités, nos meilleures unités. Et d'ailleurs, parmi les meilleures unités du jeu. Et ah ouais. Et là, on pourra se défendre plus facilement. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. C'était Tchob.